Le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Vous n'abandonnez jamais, hein? Excusez-moi, je cherche la tombe d'un petit garçon du nom de John Shepard. Dans cette allée, un peu plus loin. Merci. Hé, Lauren, je l'ai trouvé. Origami. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Un pauvre gosse. Il est bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1977, en octobre, je crois. Bande de bons à rien, foutez-moi le camp d'ici! Je ne veux plus vous voir, sale petit cafard! Vous reviendrez quand votre père sera rentré du travail. Il est encore bourré. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempé si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. On n'a jamais tué personne, un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer. T'es même pas capable de me suivre. Ou quoi?
c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi. Jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. S'écrit, c'est la voix de John. Le gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie.
Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Faut que je rentre, maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. Ça alors, quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons à la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme là-bas. Eh bien. C'est Charles Kramer. Le père de Gordy? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard.
Bon jour de chance. Paco Mendez veut t'inviter à sa table. Merci d'avoir accepté ma petite invitation. Des nouvelles ici? Je pense que t'aurais déjà remarqué, sinon. Je m'appelle Paco. Quoi? Madison. Je m'appelle Madison. Ah, j'aime beaucoup ta façon de danser, Madison. Et je te trouve aussi très sexy. Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus privé. Oh, bien sûr, bien sûr. Bienvenue dans mon petit royaume. File-moi ça. Crois-moi, on n'aura pas besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, dessine-toi. Enlève tout ça, bébé. On pourrait peut-être prendre un verre, juste histoire de briser la glace. En ce qui me concerne, la glace est déjà brisée. Allez, vas-y, bouge-moi tout ça. On pourrait peut-être parler d'abord. Crois-moi, je t'ai pas fait monter pour papoter, chérie, loin de là. Allez. Montre-moi ce que tu sais faire. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Crois plutôt que c'est toi qui as mal compris, chérie. J'aime pas perdre mon temps. Alors maintenant, une fois poil ou je te refroidis. Tu m'as bien compris. En attendant, jouer son jeu pour gagner du temps. La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé. Que je faisais de l'effet, mais pas à ce point-là. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe.
Ah ! Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé ? Merde. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement ? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah ! Espèce de salope, je vais te crever ! T'as pas le cran de Colin Bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas. Paco ? Est-ce que tu vas bien ? Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Arrête ! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte ! J'ai filé les clés à un type ! Il cherchait un endroit ! Il avait de quoi payer ! Comment il s'appelle, ce type ? Je sais plus, je le jure ! Shepard ! Il s'appelle John Shepard, c'est tout ce que je sais, je le jure ! Oh. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi. Mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Il est temps que je dégage d'ici. Je commence à avoir un sérieux mal de crâne. Plutôt efficace, mes méthodes pour faire parler les hommes. Le nom qu'il m'a donné, John Shepard. Est-ce que ça pourrait être le nom du tueur ? Je vais vite être fixée.